whatdegolf.exe. Ah, ça y est. Ok. Du coup, c'est quoi? Ça se joue direct? Mais il n'y a pas de menu, il n'y a pas... Qu'est-ce que c'est, ça? Ah si, il y a un menu. D'accord. Peut-être à la manette? Je sais pas. Ah, c'est pas mappé en ZQSD. Alors, la musique est forte! C'est fou, hein? Très bien. Bonjour à Lyon Rouge, Lady Cassidy aussi, salut à toi. Bonjour à ceux qui arrivent. La musique comme ça... C'est peut-être un peu fort, hein? Je suis en 1440p 74 Hz, hein. Souvenez-vous bien de cette information, c'est très intéressant. C'est en français. Ok. Ouais, mais c'est pas mappé. Putain, on peut pas modifier les touches. Incroyable ça. On marche sur la tête. Ah, peut-être que ça se joue qu'au clavier. Campagne. Bon, je sais pas du tout en quoi ça consiste, hein, on va tester. Alors, c'est quoi? Ah oui, non, d'accord. Ah oui, ça se joue pas tout à fait comme... Ok, jusque là... Ah! Ah oui, d'accord. Il va y avoir des trucs qui vont nous... Comme ça. Nice! Eh, eh, on sent l'entraînement... L'entraînement avec, comment dire... Et tout à l'heure, il n'y avait pas le personnage. L'entraînement golfite. Peut-être un peu plus fort, non? Comme ça. D'accord, ok. Ça, je l'avais vu dans le trailer. Ok, d'accord. Très bien. Alors, j'espère qu'il y aura un FFS là-dessus. Ok. Ah oui, là c'est bon, d'accord. Oui, j'allais dire, ça va être dur de le tomber dans le trou. Alors, c'est quoi, c'est là? Ah non, d'accord, c'est la maison. Mais genre, la maison, elle va bouger. Ah ouais. D'accord. Très bien, très bien. C'est une certaine vision du mini-golf. Ok. Home in one. Chacun ses... Ah oui, d'accord. C'est très drôle. Alors là, c'est quoi? Ça va être que le club, c'est ça? Ah oui, d'accord, c'est ça. Oh, eh. Y a du training, hein. Attends. Comme ça. Ok, club. Ce jeu, est-ce qu'il est sur le Xbox Game Pass, Xbox One? Ah, je sais pas du tout. Moi, je l'ai trouvé sur... Ah, merde. Moi, je l'ai trouvé sur... sur Epic Game Store. Code créateur, Dame Dame Lai. Ah. Pas terrible. Micrologie Charine. Ok. Salut, Antonin. Oh, come on! C'est nul. Ok. Bad flag, méchant drapeau. Ok. Oh, c'est l'intro du jeu. Ah, c'est trop cool. Si un modo peut mettre le stream en catégorie What the Golf, ça serait cool. Merci beaucoup. Ah, attendez, attendez. Je vais vous faire de l'acting. Bonjour la boule. Ah non, attends. Bonjour la boule, que faites-vous ici? Le laboratoire est fermé. Ok.
Du coup, c'est quoi, à chaque fois, faut... Ah oui, d'accord. Parfait. Ah mais attends, c'est genre, il y a un menu... Expérimente Wholesome Joke. Ok. Ah, il y a un menu et tout. Ah, ok, là, c'est le trou. Ah oui, d'accord, c'est le trou qu'il faut. Ah, d'accord. Parfait. C'est un trou en un, pour de vrai. Wholesome Joke. C'est drôle, ça. C'est drôle, c'est drôle. Alors. Ah oui, c'est comme une espèce de map monde. Ah merde. Alors. Qu'est-ce que... Quoi? Ok. Club. Très bien, très bien. Alors. Oh non, c'est le chat. Oh non. Ah mais faut qu'elle joue à ça, Margot. Perfect. Oh, oh c'est tellement mignon. Oh. J'ai déjà joué au mini-golf, oui, beaucoup, enfin... plein de fois dans quand je passais mes étés à la plage, mais je n'ai j'ai jamais joué au vrai golf. Enfin, j'ai déjà mis genre je suis déjà allé sur un swing sur un practice, c'est ça, je suis déjà allé sur un practice pour taper quelques balles, mais j'ai pas la licence officielle machin et tout, j'ai jamais fait vraiment un 18 trous classique quoi. Et je pense que ça me ferait chier de le faire. Qu'est-ce qu'on fait, on va à gauche ou à droite? Ah, oh, plutôt à droite, hein, comme Macron. Pardon. Pas de politique, hein, bien sûr, sur cette chaîne. Toujours prendre à droite. Alors. C'est le canap, c'est ça? Ah ouais, ok. Pas mal, pas mal. C'est les guérillas. Ouch. Couch. Ok. Gros travail de genoux dans ce jeu, hein. On n'en sait pas plus sur cette histoire de golf et de meurtre. Ah oui, non, mais je vous avais dit que je le raconterai pas sur Twitch. Ça, c'est si un jour je refais une IRL et que je bois à outrance de l'alcool avec des abonnés que je connais très très bien, éventuellement je leur raconterai à ce moment-là. C'est très tolérant. Ah oui, d'accord. Ah, mais il y a les roulettes. Noo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 
Abonné au Figaro. Qui c'est à Macron? Ah oui, bah Macron, je pense qu'il est abonné au Figaro, oui. Enfin, pas de politique, hein, bien sûr. On parle pas de ça ici. Moi, je suis pas abonné. Moi, j'ai été abonné à Picsou Magazine et à Spirou Magazine. Et aussi à Okapi. Okapi, c'était le magazine des jeunes. Je sais pas si ça existe encore. C'était le magazine des jeunes au collège. J'étais abonné à ça. Cherio. Ok. Et je crois que j'ai pas été abonné à d'autres trucs. Ah si, quand j'étais en... Ah, je sais plus, est-ce que j'ai fait plusieurs lycées. Chacun d'orientation un peu différente, on va dire. Et en fait, j'avais fait un lycée... vous savez, moi, à la base, je voulais faire S. Finalement, j'ai fait ES. Et il y a eu, dans une de mes classes d'éco, où en fait, il fallait absolument qu'on ait un abonnement chez Valeurs Actuelles. Donc j'ai été malgré moi pendant un an abonné à Valeurs Actuelles. Et croyez-moi, même quand on fait de l'écho, c'est indigeste. C'est... Ah, il y a des trucs intéressants, hein. Il y a des trucs intéressants. Je suis à peu près persuadé que le lycée touchait une part sur les abonnements, sur l'argent des abonnements, mais... Ouais, Valeurs Actuelles. Et Valeurs Actuelles... Ouais, alors effectivement, ça parle de l'actualité et tout. Il y a des trucs qui sont... ça va... Ah non, 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 non! Ok.
Bah alors je peux te dire qu'il y a des trucs... Faut se les digérer, quoi, littéralement. Oh, faut pas le casser. C'est quoi le lien avec l'écho? Bah, dans Valeurs Actuelles, ça parle beaucoup de d'économie, enfin de sciences économiques et sociales en soi. C'est juste que c'est légèrement orienté, quoi. Après, c'était un lycée, bon voilà. Vous savez ce qu'on dit, on choisit ses amis, mais pas forcément son lycée. Oh, come on! Valeurs Actuelles de l'époque, c'était aussi trash que maintenant? Non. Après, j'ai jamais relu Valeurs Actuelles. Moi, c'était en 2000, l'année où j'ai été abonné, je crois que c'était 2002. Donc c'était quand même, c'était il y a plus de 15 ans, tu vois. Attends, 2002, ouais, je crois que c'est ça, ouais. Non, c'est maintenant que j'ai l'impression que j'ai déjà vu passer des unes qui font un peu scandale, là. J'ai l'impression que maintenant, ils sont vraiment dans la provoque. Ah, mais on n'est pas obligé d'attendre que ça soit fini, d'accord. Il y avait moins ça à l'époque, mais c'était quand même pas ouf, quoi. Et puis, même quand on essaie de juste s'intéresser aux propos économiques et tout, aux études, aux trucs comme ça... Just a raise. Je peux vous dire que... Ah ouais, le style d'écriture était compliqué, quoi. À l'époque du 11 septembre... Bah non, 11 septembre, c'était 2001. 2001, j'étais en première... Et je crois que c'est quand j'ai redoublé ma première, donc ça devait être 2002, je pense. Ouais, c'est ça, c'était ma deuxième première, quand je suis passée de S à ES. Ouais, donc c'est ça, 2002, ouais. C'était plus subtil, mais la substantifique moelle était la même. Ouais, bah après, Et j'ai jamais trop compris pourquoi le lycée avait voulu qu'on soit... Enfin, je sais pas, c'était bizarre, quoi. Moi, je suis sûre qu'il y avait un arrangement financier derrière tout ça. C'est quoi, c'est la balle ou... Ah non, c'est les... Ah non, c'est vraiment le carton. Ok. Nose! Ah, oh, on n'est pas bien, là, à jouer au golf avec des caisses en carton et à parler de politique. Ah, oh, on est bien, quand même. Un lycée privé. Je sais plus. Ouais, je suppose. Sincèrement, je m'en souviens plus. C'était il y a trop longtemps, tout ça. Et je vous avoue que tout ce qui est lycée, je me suis dépêchée d'oublier tout ce que j'y avais vécu. Ah, le retour du petit personnage. Ah oui, d'accord, c'est... C'est drôle, ça. C'est très drôle. Ok. Oh merde! Oh no! Attends, j'ai l'impression que la musique est cool, mais on l'entend pas bien. Attends. C'est très drôle, ce jeu. C'est un peu trop fort, là, peut-être. Comme ça. On a fait que 3% du jeu. Ah ouais, d'accord. Putain. Très bien. Donc là, du coup, il fallait qu'on fasse ça. Valeurs Actuelles a beaucoup changé en 2012 et c'est là que sont arrivées les unes trash. Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, parce que moi, ce genre de truc que je vois passer sur Twitter, des fois, j'ai pas le souvenir que c'était comme ça à l'époque. À l'époque, si vous voulez, même si c'était très orienté, forcément, comme magazine, ça parlait quand même d'économie majoritairement, quoi. T'avais des graphiques sur plusieurs pages, des trucs comme ça, tu vois. T'avais des chiffres et des graphiques sur plusieurs pages, quoi. C'était peut-être plus vraiment science, tu vois, économique et sociale, que juste... Ah merde! Je pense tout de suite... À Ganesh, là, quand il fait ses clichés de BFM TV, là. France 2018 plus 1. clac. Ok. C'est à partir de là que ça s'est plus vendu. Très probablement. Accès refusé. Eh oui, j'ai pas encore fait cette partie-là. Ah, de côté ?
Ok. Easy. 2D. Waouh. Ok. Ah, c'est comme les moutons. Spider-Ball, ok, d'accord. C'est comme les moutons avec le grappin dans... Cliffhanger. Très bon, très bon, très bon. Ah, ça marche pas, Elvire Rouge, mais si t'es modo. T'es modo, donc c'est censé marcher. Je crois qu'il faut que tu tapes... c'est une commande Moobot, donc il faut taper point d'exclamation game... espace what the golf et normalement ça marche. Si c'est vraiment ça marche pas, attends, je le fais moi-même. Attends. Ah bah si, c'est bon. Et bah voilà. Et voilà, Elvire Rouge, tu sais le faire désormais. Alors ah, vous saviez pas, mais il fallait me le dire, les modos. Mais putain, mais c'est pas possible, j'ai les pires modos au monde. Si vous savez pas quoi faire un truc, vous me le dites. C'était si simple, ouais. Bah en fait, c'est juste que c'est une commande qui passe par Moobot et pas par Twitch. C'est ça qu'il faut comprendre. Ok. Qu'est-ce que... Ok. Parfait. Balls. Balls. Est-ce qu'il y a des trous cachés du coup? Peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un... Ouais, d'accord, c'est un slime. On aurait pu essayer de dégommer le chat. Ticket. De la vaseline pour trouver le coup. Oh putain, c'est nul. C'est nul. Alors. Ok. Yes. Ah oui, d'accord, mais on peut faire des coups aériens. Oh putain. Mais. Oui. Flubber. Ah, je l'aimais bien celui-là. C'est marrant, moi je pensais vraiment que c'était une succession de trous comme pour comment il s'appelle, pour Golf It. J'avais pas compris qu'il y avait tout un petit mode comme ça avec une map. Ah. Paf. Bonjour la Bouboule. Bonjour la Bouboule. Montrez-moi ce dont vous êtes capable. C'est-à-dire. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok. Ok. Parfait. Fichtre. Parfait. Parfait. Stop, stop. D'accord. Ah, il y a des gens que vous connaissez. Des jeux flash, ouais. Ah non, mais c'est drôle. D'autres niveaux de défi en retournant dedans. Ah! Bah attends, on va faire ça. Oh non! Lab Experiment 462 Annoyance. Qu'est-ce que... C'est nul. Bah putain! D'accord. Drapeau absurde. Ah oui, et là... Ça serait quoi? Ça? Ça? Ah oui, d'accord, c'est une version...
C'est une autre version du... Ok. Ah oui, d'accord, et après il y a le niveau master. Ah, ok. Paf, Kofufé. Ces petites références Donald Trump. Très bon, très bon, très bon. Kofufé. On n'a jamais su ce qu'il voulait dire finalement. Ah oh, putain, Kofufé quoi. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Putain, il y en a plein. Tous ces trous à faire. Tu peux faire la suite de la balle qui bounce. Ouais, bah je vais... Ouais, on va tous les faire. Hein. Mais c'est marrant parce que le jeu est beaucoup plus long du coup que ce que je pensais. Ce qui est une très bonne surprise en fait. Ah oui, non mais attends. Mais putain. Ça marche pas? Ok. 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 It's a me. It's a me. Ok. C'est vrai que ça donne un peu l'impression de jouer un vieux jeu en flash. Parfait. Waha. Ah, pas mal. Ah, oh, ces références. Donkey Golf. Bah tiens. Très drôle. Très drôle, très drôle. Et du coup, il y a la version... Qu'est-ce qui change sur elle? C'est le même ça. Fail? Pourquoi? Ah non, il fallait ramasser les toasts. Ok. Paf. One up. Nice. Bon, on va peut-être pas tout faire maintenant, on va plutôt découvrir les trous plutôt que de faire le 100%. Oh non! Quel enfer! Quel enfer! C'est... comment il s'appelle? C'est Flappy Bird! La présence du L est très importante. Blaaaaaah! Oh, y'a Bagheera! Salut Bagheera, comment vas-tu? Comment ça se passe en Suisse? Oh putain, oh, le Flappy Bird quoi. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ah oui, d'accord. Ah ouais, nice. Ok. Bubble Putt. Ah, mais je vais mourir. Attends.
ça. Ah ok. Il y a un Flappy Bird en filtre Instagram. Ok. Oh, c'est bon? Ah. Mais qu'est-ce que... Pourquoi ça marche pas? Ah non, il fallait que... Putain, il fallait prendre lui. Voilà, d'accord. Oh, come on! Ah, j'avais pas compris qu'il fallait prendre le perso. Ah, c'est si intéressant. Ok. Ok. Putain, c'est quand même autre chose que Golfit, quoi. Bopli! Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On passe par là. Note de golf numéro 1. Le golf est incroyablement ennuyeux. Peut-être pouvons-nous y remédier? Ah, très bien. Salut Faistos. Meilleur joueur, as-tu l'as fait? C'est très drôle. Hein. C'est très très drôle. Puis pour l'instant, le level design se renouvelle, donc je sais pas, on va voir quoi. Je sais pas du tout si... Oh non! Angry Birds! Ok. Ok. Angry Birdie! Très drôle, très drôle, très drôle. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faut taper dans le ballon, faut mettre un but, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. C'est pas mal, ça. J'en frissonne de mignonnerie. Ah bah écoute, c'est Epic Game Store. Je t'invite à l'acheter avec le code créateur d'Omnam Live, bien sûr. Pouf. Ah non, ça. C'est ça qu'on veut à la ZLAN 2, hein, tu vois. Score. Oh putain. Ok, 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 à chaque fois on se fait avoir. Hein. Ça marche, hein. Tu te souviens le jour de la sortie? Le jour juste après, j'ai fait top 3 dans le Daily Challenge. C'est vraiment pro. Ok. Si on méritait, parfait. Très bien. Merci. Bon, tu t'amuses bien du coup, Bagheera, en Suisse? Comment ça se passe? Bonjour Lumi. Alors. Ok. Jusque-là, pas de soucis. Ah! Vent de face. Pas du tout. Oh! Ouais, on touche un pourcentage, ouais. Entre 5 et 20% pour certains jeux. Rares, mais. Ouais, ouais, on touche un petit pourcentage. Et on est payé tous les 100$. Pas de PC, je joue à des jeux. Ah merde, t'as pas de PC portable? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors. Mais... Ok. Oh mais putain. Goal goal. Très bien. Très bien, très bien. Alors, ça c'est good. Paf. Les ballons de football peuvent être frappés à tout moment. J'ai toujours été très doué en football. Ce que je viens de faire là, en gros, c'est moi qui joue au foot dans la vraie vie. Qu'est-ce que... Mais quel petit con!
Mais putain. Parfait. Ah non, on peut pas mettre son propre code créateur. Du coup, la plupart du temps, j'utilise le code créateur Mister MV ou Zerator. Non, pas Zerator, Atomium. La plupart, Atomium VOD. Parce que c'est la famille, quoi. Buzzer dans Twitch, mais non, pas du tout. N'importe qui peut faire la demande. Et même pas forcément sur Twitch. Ça n'a pas de rapport avec Twitch, en fait. Ou alors peut-être qu'il y a un certain nombre d'abonnés recommandés, mais moi j'ai déjà vu vraiment des très très petits streamers en avoir, donc ça doit être un petit peu comme pour passer affiliate sur Twitch. C'est genre, t'as 10 followers, c'est bon, tu peux demander un code créateur, quoi. Pour info, il y a 3 niveaux par niveau. Ouais, mais là, j'ai envie de découvrir un peu tous les niveaux. Après, on verra si vraiment l'amusement est présent et que vous aimez ça, peut-être qu'on tentera le 100%. Curieusement, ça va pour l'instant avec les... Hey ! Pas trop mal, hein. Je suis pas trop mal, hein. Ah merde. Ça. 2 sur 4. Ah non, il faut mettre les buts. Ok, d'accord. Ah non, celui-là, je l'ai pas fait. Attends. Paf, 3-0, un peu comme France 97. En fait, on aurait pu dégommer le chat aussi. Ah, dommage. J'aime bien le bruitage de supporters. Po, po, po. Et non, France 97. Avec avec Barthez, Tiramisu et le Juventus de Turin, là. Ah, c'est bon, je m'y connais en foot, hein. C'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est tellement facile de trigger les gens à propos du foot. Coupe du Monde, France 97, 4-0, tout ça, non? C'est l'année où Thierry Henry avait fait un coup de boule, non? C'est pas ça? Mais je vous embête, vous voyez pas que je vous embête? World record speedrun de 1h03. Ok. Po po po. À Nagano, voilà, c'est ça. Accès refusé, pourquoi donc? Alors, on a le choix entre l'espace ou les accidents de la route. Oh, les deux sont très fun, hein, je dois avouer. Qu'est-ce qui a explosé? Hein? ?4-0 face à l'Angleterre. Le quadruplé de Tiramisu contre le café. Si on butait le chat? Ah voilà. Vous savez, j'aime beaucoup les animaux.
Ah oui, d'accord. Ah oui, donc il faut pousser la voiture, c'est ça? Ah ouais, d'accord. Parfait, parfait. Carboum. Tout fat, tout boum. Ok, d'accord. C'est drôle, je dois l'avouer. Kama 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 kamelea. Qu'est-ce que je fais? Map map. Ah ok, là il y en a pas mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si je la touche, elle démarre ou pas? Ok, on va y aller doucement. Yes. Big Bada. Pau, 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 pau. Je pense que là, il faut taper. Oh merde! Tadada, bonjour, c'est Bounez. Le foot, c'est le sport où les joueurs font semblant d'être blessés. Rugby, c'est le sport où les joueurs font semblant de pas être blessés. Ah putain, c'est vrai que rugby, les tatanes qui se prennent, les mecs. Eh ben écoutez, faites comme moi, n'aimez ni l'un ni l'autre. Voilà. Parfait. Oh, trajectoire. On dégomme le chat? Ou pas? Ah, le chat a dévié ma balle. Bombastique. Mr. Bombastic. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va peut-être y aller mollo. Ou sinon on y va d'un coup. Ok. Oh. Ah oui d'accord, le trou est là-bas. Bah si je fais ça. Oh non le chat, non. Ça se fait pas. Boum 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 boum. I want you in my room to spend this night together, together in my room. Qui a la ref? Allez, le premier qui le dit dans le chat. Eh bien, je lui dis bravo. Ah, Naku, les Vega Boys, bien sûr. Quand même. Vega Boys que j'avais vu en concert à Amsterdam. Il y a fort longtemps. Ok, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Oh putain, j'en étais sûr. Très bien, salut Storms. Je connais mais pas le titre. Le team, c'est le titre, je crois que c'est Boom 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 Boom, il me semble justement. Oh, come on! Non! Si vous voulez acheter ce jeu sur, Epic Game Store, hein, bien sûr, n'oubliez pas code créateur Damdam Live. Si vous avez des trucs à acheter sur Amazon, n'oubliez pas la commande point d'exclamation Amazon dans le chat. Sachez que c'est très apprécié. C'est un bordel ce niveau. Oh merde! Non! Come on. Ah, DJ Roy, sont suivis par au moins 1000 personnes sur une plateforme sociale majeure. Ah, d'accord. Ouais, donc ça va, quoi. 1998, ouais. Ouais, 1000 followers. Genre, sur Twitter, t'as 1000 followers, c'est ok. Pff, suffit de relayer 2-3 mèmes ou de prendre position sur des trucs politiques. Ou de sexisme, hein. Très très à la mode hein, pour gratter du follower. Et là, paf!
Ou alors vous parlez de harcèlement, vous dites que vous êtes fait harceler, même si c'est pas vrai, hein, vous dites que vous êtes fait harceler. Et là, paf, 500 followers d'un coup. Ouais, tu dis, ouais, de toute façon, ceux qui disent chocolatine, c'est des gros fils de pianistes. Et du coup, voilà. Et encore, c'est pas sympa pour les pianistes. Alors là, tu fais ça, tes 1000 followers, tu les as rapidement, hein, je peux te le dire. Harcèlement sexiste politique, et puis alors en plus, tu prends position en faisant style côté un peu extrême droite. Pff, alors là, 1000 followers, 10 minutes, en 10 minutes tu les as. Thread, ouais c'est ça, thread. Premier morceau de Venga Boy, c'était Up and Down. Ah, je l'aimais moins, Up and Down, ouais. Merde. Oh, fuck. J'en étais sûr que ça ferait ça. Oh, come on. Je partage à la fois un article de BFM et de Mediapart. Oh là là, bah là c'est... À 1000 followers, tu les as. Hein. Oh shit! Ça passe? Pourquoi il y a des chats partout? Incroyable cette histoire. Barrel roll! Révélation, je croyais qu'Internet était peuplé de conneurs, pas du tout, ce sont juste des gens qui grattent un code créateur. Ah bah peut-être, hein. Ça se trouve c'est ça. Hein. Et après tout le monde sort le fameux gros t'as percé, et du coup après t'as des marques qui sponsorisent les tweets a posteriori pour que en premier commentaire de tweet, tu te auto-réponds en mettant un lien affilié vers une boutique diverse ou variée. Ça, c'est des tweets qui coûtent extrêmement cher. J'ai jamais fait ça. Suivez mon SoundCloud, mon Insta. Ouais. Ah, ça se fait. Ah, les gens sont particuliers. Oh là, ça rame. Pourquoi on est en 30 FPS? J'avais pas vu qu'on était en 30 FPS. Ah ouais, ok. Non, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des drops de ouf. Ah, fuck! En fait, quand c'est juste avant de partir, le jeu passe à 40 FPS. Bon, et si on fait ça? Et bah voilà! Merde! Mais putain! Ah, le life hack que je viens de vous faire. Non mais par contre, blague à part là, au niveau des followers, des trucs comme ça. Ah merde. Ah ouais d'accord. Vous savez que moi ça me désespère parce que moi j'ai pas forcément énormément de followers sur Twitter par exemple. Comparé à d'autres collègues streamers et streameuses, on va dire. Je crois que j'ai 16 ou 17 000 followers, un truc comme ça. Et tu vois, typiquement, c'est très rare que je parle du harcèlement que je subis. Parce que quasiment quotidiennement, j'en subis. Mais en fait, j'en parle très rarement sur Internet parce que sur Twitter, ça génère une interaction qui est insane. Mais vous avez même pas conscience d'à quel point c'est insane. Et ce qui fait que là, par exemple, actuellement, mes 3-4 000 derniers followers sur Twitter, c'est des gens qui sont arrivés suite à un ou deux tweets que j'ai fait, genre, il y a 6 mois, sur « Ah, bah, ouais, je me suis fait emmerder », ou « Je poste un screen d'un commentaire insultant, mais un peu rigolo quand même, que je tourne à la dérision », et les trucs...
Alors tu postes du contenu que tu fais, ça peut être les trucs les mieux montés, les mieux faits, les mieux joués au monde, ou une photo super cool, tu vas avoir 2 retweets et 10 likes. Par contre, tu dis que tu t'es fait harceler, paf, 80 retweets, 900 likes. Et des follow, et c'est ça qui est ouf, c'est les gens qui follow, c'est-à-dire que les gens, le premier truc qu'ils voient de moi, c'est « Ah, elle se fait emmerder, tiens, on va la suivre !» Tu vois, c'est « Ah, putain !» Et sauf que manque de peau, moi, c'est très rare que j'en parle, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'en parle jamais, parce que j'aime pas les gens comme ça. Mais tu vois, typiquement sur Twitter, et c'est pour ça que sur Twitter, il y a des gens qui jouent de cette culture du buzz et qui passent leur temps à dire qu'ils sont outrés de tel ou tel truc, et tout. Après, il y a des gens qui sont vraiment outrés et qui en parlent vraiment sincèrement, c'est pas un souci. Mais il y a énormément de gens qui n'en parlent juste parce que c'est bien connu que c'est ce qui génère... Bah, c'est du drama facile, quoi, en fait. Mais c'est assez affligeant, hein, vraiment. Pouf. C'est quoi? Comme ça? Ah ouais, d'accord. Space! Attends. Si je fais ça, c'est ok, non? Paf! Final Frontier! Et ça? Ah non, mais ça y est, je l'ai fini! Mais sauf que là, il y a un barrel explosif. Paf! Bonjour, Arcane. Je découvre ta chaîne via l'hébergement d'MV. Merci à lui. Bah, bienvenue, écoute. Ah, écoute, d'habitude, on joue à des jeux plus ou moins sérieux, mais alors là... Ah, on est sur un concept, là. Pouf! Ah! Mais ça tourne en orbite! Dès que tu t'approches d'une planète, tu passes en orbite. Ah, d'accord. Donc là, par exemple, si je fais... ça... Ça rappelle les orbites dans Bound. Vous savez, des fois, il y a des petites planètes et t'as ton personnage qui part autour. Et des fois, t'as des sauts à faire pour juste utiliser la trajectoire gravitationnelle. J'ai découvert qu'il y avait d'ailleurs une OST de Bound et je l'ignorais complètement. Et bien sûr, elle a rupture de stock absolument partout depuis 3 ans. Mais putain! Mais reviens! Oh, come on! Hein? Ah ouais, d'accord. Donc là, c'est ok. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah ouais, là. Paf! Non mais je suis surprise parce que je pensais que c'était comme Golf It avec juste quelques parcours et qu'on en ferait vite le tour. Ah oui, d'accord. Mais en vrai, non, le jeu est vraiment chouette, quoi. Paf! Houston! Ah, what? Mais faut aller où? Ah si, d'accord! Ok. What? Wait, what? Du coup, on a clear la zone, là? Ah non! Il reste la baleine de l'espace. Regardez, c'est Little Big Whale! Son niveau était tellement stratosphérique qu'elle est partie dans l'espace. Paf! No problem! Ça m'a donné envie de l'acheter pour quelqu'un, c'est vraiment dingue. Ah bah écoute, si tu l'achètes, n'oublie pas, bien entendu, le... Le code créateur d'Amnam Live, c'est important. Voilà.
pensez aux streameuses de modeste audience qui, des fois, ont du mal à acheter leur pack de bière. Voilà. Alors. Qu'est-ce que... Quoi ? J'ai rien compris. Ok, on va y arriver. Plus de Maxime dans le frigo, quel enfer. Ok. Donc là c'est bon, hein. Normalement j'ai clear la zone espace. Ou pas. Nose. Mais... Mais putain. Non. Attends. Qu'est-ce que j'ai pas encore fait? Faut trouver le bouton. Ah mais il est là! Ah oui d'accord, j'avais pas vu. Paf! C'est quoi mon GOTY? Alors mon GOTY triple A c'est Metro Exodus. Et mon GOTY 1D c'est Katana Zero. Mais avec un franc coup de cœur, avec un prix spécial, on va dire, donné à Sayonara Wildheart. Pouf. Connard. Putain. Parfait. C'était clair en plus. Après, en termes d'autres coups de cœur... Ouais, non, après, il y a d'autres jeux que j'ai beaucoup aimés, mais... Il y avait la tête de Rick dans le coin. Ah ouais? J'ai pas vu. Oh, putain. Oh, come on! Pa-pa-pa-pa. Oh, come on! Ah. Ok. C'est vraiment varié, hein. C'est chouette. Love Experiment. Anger. Ok. Je vois pas ce qui peut mal se passer. Yes. Camper flag, ok. Faut taper là-dedans. Ok. Je... faire. Note de golf. Évidemment, je ne suis pas un golfeur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Finir les trois niveaux. Bah, le truc, c'est que là, j'ai déjà tout fait, non? Ah non, il faudrait faire cela. Il faudrait faire les niveaux spéciaux. Ok. Ah si, c'est ça. Ça doit être pour finir les niveaux à fond. Coffé. Forcément. Forcément. Merci au passage à Orion pour le follow. Merci à Mafia Phoenix, Arcane, Monsieur Lostan, Nina la Nenon, Red Flags, Warster de Hamster, Quentin 974, Fuchs 24 et Rage LOL. Merci à vous.
pour les petits follow. Et bienvenue. Bam, 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 bam. Qu'est-ce que... Ah, mais attends. Ah, ok. Clac. Donc là, j'ai la couronne. Ah ouais, ok, d'accord, c'est pour ça. It's the reason why, ok. Eh ben, attends, il faudrait aller dans ce cas-là. Peut-être refaire ceux de l'espace, non? Je sais pas. Ah, on va faire ça. Salut, Joysticks. Qu'est-ce que... Ok. Perfect. Perfect. Et le max. Ah ok, d'accord. Ah, il manquait le bruitage. Nose. Oh, come on. Come on, come on. Ok, comment ça fail? Ah non, il faut renverser les arbres, j'avais pas vu. Ah oui, d'accord. Ce petit bruit de starter. Ok. Oui, c'est bon. Non? Qu'est-ce qui est pas bon? Il reste un arbre? Bah non, c'est ok. Après, faut aller au trou, c'est ça? Bah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je les avais tous balancés. Où est le problème? Ouais, ça devait être un bug, ouais. Renverse le chat dans le doute. Ok. Oh putain. Oh shit. Ah, peut-être qu'elle était... peut-être qu'elle était bloquée dans le... Bloquée sur le côté de la fèze. Bah c'est bon là. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? C'est le dernier qui est pas compté. Bizarre, bizarre. Attends, on réessaye. C'est celui qui était dans le coin, là. Mais peut-être que celui dans le coin, en fait, il reste bloqué. Ok, là, il y en a trois. Ok, nice. Ah ok, ok. À mon avis, il devait rester coincé de l'autre côté de la falaise. C'est pour ça. Les niveaux bagnoles sont pas si faciles. Hein. Ah non, mais il fallait le faire en trois coups. Mais comment tu fais ça? On part 4. Ah non, 4 coups. Merde. Attends. Est-ce qu'en gros... Ah ouais, non. Il y a peut-être moyen d'utiliser l'explosion pour... Ouais. Tiens. C'est pas mal ça. Paf. Eh. Comme quoi hein. J'ai pas du tout triché, attends, c'est bon. C'est le règle du jeu. Tout va bien.
Restons calmes. Renverser des chats. Ok, j'ai rien foutu, ils sont déjà tous... Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce chat ? C'est le King Matou. Paf ! Dernier debout. Ah bah ok, d'accord, c'est bon. Ouais ! Paf ! C'est un speedrun strat ? Ah ouais ? Ah bah écoute. Hein. Voilà, c'est pareil. Hein. Le problème, c'est que... Ah, on passe à travers le... Pour cette raison, je demande la bench. Putain. Attends. Je vais essayer de... Wow. Ah bah voilà, parfait. Paf. Perfect. Perfect. Et le dernier, du coup... Ah bah non, c'est bon. Donc là, je les ai tous faits. C'est ok. Attends. Ah non, exploser tous les tonneaux, d'accord. Ok. Firework, ok. Parfait. Je pense que là j'ai toutes mes couronnes. Non. A priori c'est ok, on va retourner... Fuck. Yes, I! Ok, piste d'athlétisme. Ça a l'air bien. Ok, j'arrive déjà pas à aller sur le trou. Ok. Ah bah, fail. Ah oui, d'accord, ce qui fait quelques pas... Ah, parfait. On fire! Ok. C'est bon, il y a encore une petite flamme. Paf ! Merci à tous. Autant essayer de commencer à farmer des couronnes. Je me demande s'il y a des niveaux après qui sont vraiment très durs. Mais ça, ça fait plus penser à Happy Feet. Vous vous souvenez de Happy Feet ? Il y a une époque sur YouTube, pas trop sur Twitch, mais sur YouTube, il y a une époque où tout le monde faisait du Happy Feet. Parce que c'était le truc qui était réputé pour faire un max de views sur les vidéos. C'est comment il s'appelle ? C'est le youtubeur Polo là qui a fait toute une partie de sa carrière sur ce jeu d'ailleurs. Tu dis pas aussi, monsieur ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ok. C'est tout, c'est ça qu'il fallait faire? Ok. C'est très drôle. Mais ça, je viens de le faire. Ah non, d'accord! Ok. Pretty fly for a white guy. Merci, Robot XD. Battez le par. Faut faire un rebond, c'est ça ?
Ah non, c'est juste que la piscine, c'est ça. Ah ouais, ok, d'accord. Ça faisait que popper, ouais. Non mais après, dans le principe, Happy Feet était un jeu rigolo, c'est juste qu'on en a trop bouffé. Tous les youtubeurs en ont fait. Sur Twitch, y a pas eu trop eu, c'était vraiment... 2012, c'était déjà un petit peu la fin. Mais... Pouf. Ah, le tir à l'arc, forcément. Touché, ça suffit? Ok. Ah, pour le coup, ça, ça fait très très Happy Feet. Hein. Paf! Ah, si on se la prend sur la tête, je sais pas, fais voir. Ah non, ça part en l'air. Ok. Pas le natouk. Ok. Ok, forcément, forcément, parce que c'est drôle. Ah oui, d'accord, fallait mettre au plein centre. Nice! Il y a un niveau un peu comme ça dans Trials Rising. Yeah! Très rigolo, hein. Je sais pas si on aura le temps de faire Watam du coup, puisque le jeu a l'air plus long que prévu. Mais Watam a l'air d'être un bon délire aussi. Hein. Est-ce que c'est toujours un jeu de golf? C'est ça la vraie question. Paf! Qu'est-ce que... Ah ouais, d'accord. Ok. Non. Ah. On dirait la musique bruitée à la bouche là dans South Park. Avec la fabrication des faux bijoux en or. Ah, de la motocross enfin. Ah merde. Ok. Ah oui d'accord, en fait en maintenant le truc... C'est pas mal. C'est pas mal. T'as excite by quoi. Parfait. Nose. Ah non, mais alors attends, faut refaire le tour en arrière. Ok. Pas mal. Mais putain! Oh my god! Très drôle celui-là. Très très drôle. What? Je
crois que je suis passée au-dessus. Paf! Hey! C'est dur, hein? Salut Winter. Ouais, Piku Niku a une ambiance un peu minimaliste comme ça, avec des aplats de couleurs, effectivement. Après, non, là, à la base, c'est un jeu de golf, quoi. Je dis bien à la base. Et le dernier, du coup... Les pommes! Ah oui, d'accord. Ah ouais, mais je suis bloqué. Ok. Quel gameplay irréprochable. Ah mais c'est vrai qu'il faut le préciser au bout d'un moment que c'est un jeu de golf. Bah, Piku Niku quand même. Quel bon jeu. Quel bon jeu, Piku Niku. J'aime bien ce que... C'est un bruit de moto, mais le mec il pédale quand même. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Nose! Et bah voilà! Ah, j'ai toutes les couronnes là! On masterise! Ah, il me manque une couronne! 3 sur 4. Ah, il me fallait une couronne en plus! Les motos du bled. Les motos, tu veux dire, il y a un moteur, mais faut pédaler quand même en même temps. Ah. Bah attends, il y avait celui-là qu'on n'a pas fait à fond. Nose. C'était lequel? Ah oui, d'accord. Perfect. Perfect. Ok. Ah mais alors attends, du coup là si j'ai une couronne en plus, ça veut dire que je peux faire le dernier truc qui était situé là-bas. Alors attends, est-ce que c'est un niveau secret ou... C'est pas vraiment secret. C'est peut-être un truc un peu plus challenge. Qu'est-ce que c'est? Ok. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? What? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? 25 sur 50. C'est quoi? C'est le stage select ou... Ah, le hub des collectables. Ah ouais, d'accord. Ah, d'accord, c'est des portails de téléportes. Ok, ok, ok. Et donc là... Nice. Comment on fait? Quand t'as toutes les couronnes, tu gagnes un objet. Ouais, d'accord. Bonjour Urukan. D'ailleurs, vous savez que j'ai passé presque 3 heures sur... sur Cookie Clicker, là. Sur Blip Blop. Et en fait, tout à l'heure, il fallait que j'avance sur des trucs. Et je voyais que j'étais en train de jouer à ce jeu. Donc du coup, j'ai rage quit et j'ai désinstallé le jeu. Voilà. Car je suis raisonnable. Du coup, ça, on n'a pas encore fait. Oh, je me suis fait mal au tendon, je te jure. Il y a des trucs là ou pas? Note de golf. Parfois, vous jouez au golf et bien, le golf se joue de vous.
Ok. Ah ouais, ok, ouais. Pas mal, pas mal. Tu l'as dit, elle, ce matin ? Ah, mais tu sais que j'y ai passé quand même 3 heures. Quoi ? Parfait. Putain, c'est boîte de bowling maintenant. C'est quoi, faut... c'est vachement dur. Ah putain! J'arrive pas à taper en plein dedans, c'est énervant. Ça! Mais putain! Ah! Oh, qui? Par qui? Quel enfer! Ah ouais, c'est la perspective qui est vraiment de fou dans la merde. En fait, faut tirer un peu à gauche, je pense. Ok! Bonjour, Sully. C'est quoi, c'est le tapis? Ah ouais. Pas mal, pas mal. Paf! Ouah, putain. Oh non! Termine avec 3 lancers. Ok. Ok. Oui! Les quilles sont plus petites en fait. Oh non! Quel dommage! Quel dommage, quel dommage. En fait, c'est calibré pour que tu le fasses en un coup. Ah, ça va être dur. Ah bah ouais, non. Fail! Trop chaud, ça. Très bonne musique. Paf! Putain! Est-ce que j'ai fait les deux? Ah ouais, d'accord. Oui. Nice. En deux coups. Blam. Blam, blam. 4 coups pour ça. Ouais. En passant par la gauche. Ça va être dur. Ah ouais, non. Fallait faire un strike. Bonjour, Captain Hume. Faut prendre en compte le fait qu'il se roule et déroule, c'est ça? Ah bah le jeu est très bien. Bien mieux que Golf It, hein, selon moi. Faudrait mettre Clitron sur le coup, là. À mon avis, il y a moyen de rigoler avec elle. Ah mais ça n'a pas été validé. Quel enfer. Tu as déjà testé, toi, Kion? Ok. Ah, oh, il m'en manquait une. Nose. Avec la musique de Golf It. Ah ouais, mais non, il est... Je crois qu'il n'y a que MV hein, qui est passionné par les musiques de Golf It. Hein.
Parce que franchement, pour les trouver cool, faut vraiment se la donner, quoi. Ah, ah c'est bon, là. Yes. Et on a la cour. Picounicou, ouais, putain, c'est vrai que c'était cool. Paf. Je suis surprise que ça soit pas lui. C'est précisément pour leur effet anxiogène. Ah ouais, mais c'est chaud quoi. Paf. Ah. Un peu trop sur le dessus. Pouf. Je pense avoir vu tout le jeu, ouais. Elle se met à rouler ou pas? Mais... Oh putain. Est-ce que t'es en train de jouer au golf, au bowling, à la pétanque? C'est dur de savoir finalement. Hein. La musique est forte, non? J'ai l'impression que le son est hyper fort depuis tout à l'heure. Ça dépend des fois, en fait. Putain. Pa 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 pa. Mais putain! Oh, come on! Ok, celui-là est bien. Oui! Peut-être sortir. Attendez, je vais mettre un peu moins fort quand même. Papa! Putain, je suis qu'à 27% du jeu, mais quel enfer. Dire que je pensais rester même pas 30 minutes sur ce jeu. J'étais loin de me douter qu'il était aussi long, quoi. Bah c'est bien, après t'en as pour ton argent. Il est en promo en ce moment, en plus. Il est à 10 balles. Non, même pas, 9 euros, je crois. Sur Epic Game Store avec le code créateur Damdam Live. Ou Mister MV, c'est selon. Sur Epic Game Store, une fois sur deux, je mets Atomium VOD et une fois sur deux, je mets Mystery MV. Oh putain! C'était tellement évident! Toi qui as joué à Metro Exodus, je suis arrivé à la fin du chapitre avec l'arche. Ouais. Je me suis bien marré, mais je trouve l'IA vraiment à la fraise, surtout en mode infiltration où tu passes à côté de deux mecs accroupis, ils te voient pas. T'es en mode normal. Alors il me semble qu'à moins de se mettre en mode vraiment balèze, l'IA est réputée pour être très simple, en fait. Effectivement. Moi ça m'a pas choqué. Qu'est-ce que... Moi ça m'a pas choqué quand j'ai fait le jeu. Parce que moi après de toute façon je fais toutes mes découvertes de jeu, je les fais en mode facile. Paf! Parfait. Toutes mes découvertes de jeu, je les fais en mode facile. Après, ouais, je sais que à moins de se mettre en mode très dur, effectivement, l'IA est réputée pour être très tolérante, quoi. Ouais, après, Red Flags, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que Metro Exodus a des phases vraiment un peu plus infiltration, je trouvais que... Bon, après, je sais pas, moi, ça a pas gâché mon plaisir. Le jeu n'est pas parfait, mais il est très, très, très bon. Les quilles sont vaches. Ok. Yes. Ok. Ma me font les vaches.
C'est bon ? Kowabunga ! C'est drôle, ça. C'est drôle, c'est drôle. Hein, y a une certaine notion d'humour dans ce jeu. Hein. Oui, oui, oui. Ok. Attends. Voilà. Paf ! Oh non, les chachas ! Je crois qu'il en reste. Oh merde, ça va me péter dessus. Non, ça va. Putain, toujours pas. C'est good. Attends, c'est quelle quille qui reste? Il reste des quilles, là? Bonjour, Misoufani. Comment vas-tu? Ah... Je reconnais ton rire entre mille, Misoufani. Ah, c'était exposer les tonneaux. Ah oui, mais moi, je lis pas l'énoncé. Ah, vous savez, moi, je suis une jeune 2000 milléniale. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de lire les énoncés. Dit-elle après avoir fêté son stream 35 ans hier. Ah merde. Jamais je ferai croire à personne que je suis une milléniale. Attends, milléniale, c'est quelle année déjà? Si, ça va. C'est les 2000. Je suis quoi, moi, alors, comme génération? Moi, je suis de 84. Je suis la régénération Y, non, c'est ça? Génération Y, oui, c'est ça, ouais. Mais putain! Mais comment tu veux faire? Attends, et si jamais... Bah non, ça change à rien. Génération Z, c'est ça les nouveaux. Generation Z. Ah, OK. Génération Z, c'est sonné avec la PS4. C'est dur celui-là. Génération Z, c'est les enfants de la Y. Ah, saut d'année. Après Z, c'est vrai qu'il y aura plus de lettres. Ceux qui vont en être en 2020. On va les appeler les petits cons. Je propose de communément renommer la nouvelle génération en tant que petits cons. On va faire ça, ça me paraît un bon plan. Na 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 na, la génération des petits cons. Ah, en parlant de petits cons d'ailleurs, non, bah non, enfin je veux dire, ah oui, alors comme vous avez pu le voir, Webedia lance une nouvelle chaîne qui s'appellera quoi? Le Live déjà, c'est ça? Avec toute une nouvelle génération pleine d'avenir et d'audience internet. Ça va être bien, je pense. Il y a quand même des gens, tu vois, assez quali, tu vois, qui vont travailler dessus, quoi. Il y a, comment dire... Enfin bref, il y a des animateurs jeunes qui vont s'adresser à un public jeune. C'est bien, c'est bien. Tu as hâte de pas regarder. Mais non, mais ça sera intéressant de voir... Je pense que ça sera intéressant de voir ce qu'ils vont en faire, quoi. Ah oui, Guillaume Play, ouais. Ah ouais, alors Guillaume Play, Michou, Inoxtag,
Y a qui d'autre? Ah, je me souviens plus. Mais le line-up fait rêver. Hein. C'est vrai que c'est des gens, c'est les idoles des jeunes, quoi. C'est vrai que là, nul ne doute. Hein. Y a pas Domingo aussi qui a été qui est dedans? Peut-être le moins pire encore, Domingo. Mais je suis pas sûre qu'il soit dans ce projet-là. Je sais plus. Y a tout un listing. Voilà, excusez-moi de bailler, hein, mais. Agathe qui a quitté Hanouna, c'était qui Agathe? C'était une chroniqueuse Hanouna, c'est ça? Bon après, tu vois, ils peuvent faire du contenu. Si le contenu qu'ils font sur le live, c'est le contenu typé chaîne YouTube déjà brandée Webedia, qui fait du divertissement au kilomètre pour les jeunes et tout. Enfin, je veux dire, c'est des trucs stupides, mais c'est pas non plus, ça va quoi, tu vois. Je préfère encore tomber sur des vidéos comme ça sur YouTube plutôt que de regarder Hanouna, quoi. Guillaume Play, c'est celui qui a fait des canulars sexistes à l'époque. Ah, je sais pas. Ah bah c'est un mec qui était à la radio, c'est ça? Ah bah s'il était à la radio, oui, il a très probablement fait des trucs comme ça. Après, je t'avoue que le nom me dit trop rien, mais... Mon petit pote. Sexiste ou homophobe, je sais plus, mais oui, c'est un grand intellectuel. Ouais. Ah là là là. Alors que par exemple, il y a des animateurs radio qui font dans le grivois, mais qui sont toujours restés super corpo. Regardez Difool par exemple. Ce mec, c'est un Gauthier. Difool, c'est le Gauthier des animateurs radio. Toujours autant de pêche, toujours autant de bienveillance dans ses émissions et tout. Incroyable. Merde. Ah oui, Michel Simès, j'ai vu. Mais alors c'est fou ça, ils vont faire quoi? Une émission de vulgarisation médicale, c'est ça? Michel Simès, incroyable. Hein. Incroyable présentateur télé et médecin du coup. Quel âge il a, Difool? Ben, je sais pas, je pense une cinquantaine... Peut-être moins, je sais pas. Entre 40 et 50 ans, je dirais, mais je sais pas. Mais c'est marrant parce que moi, ça fait très longtemps que j'écoute plus Skyrock. Mais souvent, quand je suis à Paris, des fois, je vais dans des Uber. Et en fait, dans les Uber, souvent, le soir, ils écoutent Skyrock, les mecs, là. Et c'est trop drôle parce qu'en fait, en 10 minutes de radio, t'as vraiment le côté... Bah, tu retrouves vraiment le vieux feeling... du Difool que moi j'écoutais il y a 20 ans de cela, quoi. C'est rigolo, quoi. Janvier 69, 50 ans, bah tiens, tu vois. Ah ouais, mais ça m'étonnait pas. Hein. Tu supportes pas Simès? Ah ouais? Ah bah je trouve que c'est intéressant ce qu'il fait. Ah, oh, je le regardais surtout, c'était dans Allo Docteur, là, c'est ça? Ah ouais, non, j'ai toujours trouvé son émission très bien. D'ailleurs, l'émission a beaucoup perdu depuis qu'il n'y est plus. Paf! Parfois. Ces blagues de beauf, ces conseils médicaux parfois approximatifs. Ah ouais, vous trouvez? Non, je sais pas, moi j'aime bien. Bon après j'ai pas suivi toutes les émissions, mais des fois je regardais un peu Allo Docteur, je trouvais ça pas mal. Quoi. Mais peut-être que mon avis est biaisé. Qu'est-ce que c'est? Qui m'embête? Na 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 ma ma. Qu'est-ce que c'est? Ba 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 ba. Les affaires reprennent. On me propose de transférer mes coordonnées bancaires pour recevoir la fortune d'une riche princesse Atalante. Oh, c'est sûrement un bon plan.
Qu'est-ce que... Ok. Pas mal. C'est le bordel, mais c'est pas mal. Ok. Vite, faut pas rater l'affaire. Qu'est-ce que... Faut que je les tape? J'ai pas lu la consigne. C'est où consigne? C'est la consigne. Paf! Ou pas? Ou pas? Tiens, c'est, j'ai appris que cet été, je vais peut-être devoir aller en Crète pour un truc. Et du coup, ça me fait plaisir parce que j'avais déjà pris des vacances là-bas. Et c'est une île sympathique, la Crète. Dès lors que t'as une voiture, c'est cool. Peut-être que je vais y aller cet été. Bien sûr, je vous tiendrai au courant si jamais c'est le cas. Oh, come on! Ah, j'avais passé deux bonnes semaines. Ah, il y a trop de puissance, c'est ça? Oh! Ok. Ok. Il y a pire comme endroit pour avoir un truc à faire. Tu nous emmènes? Ah bah... Si tu y es aussi, Misoufani, on ira boire des coups avec grand plaisir. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait, mon barrel roll? Il était coincé. Ah, attends, je le refais. Oh, come on. Mais non! Infernal, ça. Oh, alors, par contre, je comprends pas la perspective. T'arrives plus à prendre l'avion? Bah, tu fais comme tous les Jones, t'y vas en stop. T'es un peu une Jones, toi, Misoufani. T'es une génération Z, toi, je crois, non? Il me semble, hein. Misoufani, tu vas en stop. Attends, je vais dégommer la vache. Je suis en pleine partie. Ah oui, c'est vrai. Sorry, bro. 31? Ah, ok. Alright. Ah, j'ai débloqué un collectif, boulou. Yes. Toi, t'es un Z? Bah ouais, je pense. Après Z, il y a les petits cons. C'est le truc qu'on disait tout à l'heure. Accès autorisé. Pardon, excusez-moi. Accès autorisé. Paf. Mais tout d'abord, un peu de Game Boy. Doop, doop, doop. Ok. Ok. Qu'est-ce que... À votre santé, mon cher. Golf et prospérité. Pourquoi il parle comme une poule? Santé et trou en un. Très bien. Attends, il y a des chiottes là-bas. Vas-y. Les chiottes, c'est une valeur sûre. Ah, nice! Ah, parfait. Hein? Ah, il y avait un bug. Vous avez trouvé cachette secrète. C'est votre cachette aussi, désormais. Et si notre drapeau? Hé hé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok.
tiens. C'est ce genre de détail qu'on reconnaît un bon jeu. Ah oui, les jeux dans lesquels on peut dessiner des bits ou aller aux chiottes, d'une manière générale, c'est des bons jeux vidéo. Ok. Qu'est-ce que... Ah oui, d'accord, faut pas exploser. Fuck. Oh, come on. Paf. Tiens. Thank you. Paf. Et du coup, on reprend la canalisation. Ah, mais c'est une belle surprise, ce jeu. Parce que c'est vrai que je pensais qu'il serait vraiment terminé en très très peu de temps. Et le gameplay, pour le coup, est vraiment très simple et très... très sympa, quoi. Ça me rappelle un peu les grandes heures de mini-golf sur Amiga. Un de mes premiers jeux vidéo de toute ma vie. Rien à signaler... Pardon, excusez-moi. Rien à signaler. Jouer au golf est toujours d'un ennui mortel. Très bien. T'as le jeu de golf qui se fout de la gueule du golf, c'est quand même pas mal. Et ça, y a rien à faire avec ça? Ok. Quand tu dis come on, ah je dis toujours ça. On dirait les tennis girls quand c'est sans courage. Ah ouais, dis ça. Je sais pas, je regarde pas le tennis. Paf, paf. Ouah, come on. Oui, c'est vrai, je dis assez souvent. Grande découverte. Tout est du golf. Il n'y a rien à faire ici, en fait. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, le cube! Oh putain, le compagnon cube! Compagnon cube avec des portails. C'est un peu comme si on avait une streameuse qui se fout de la gueule du streaming. C'est vrai, ça serait complètement absurde. Ce qui est bien, c'est que Cormano, il parle pas beaucoup, mais il a toujours la petite phrase. Très bien. Donc là, du coup, c'est quoi? Oh putain, ok. Attends, on va le refaire. Ah oui, d'accord. Potato. Eh oui. Paf. Golf is a lie, forcément. Toujours plus loin dans la référence. Mais je peux peut-être essayer de le faire... Attends. Un portail des portos. Pourquoi? Ah, le but, c'est de tout faire. Tomato, d'accord, c'est ça. Ok. Ben, j'en sais rien. Ça? Ok, ça devait pas être ça. Non plus. Non plus. Ah ouais, ok, d'accord, je comprends la logique. Intéressant, intéressant.
Très drôle, très drôle. Pew. C'était quoi, quand on va dessus, c'est ça? Paf! Ah ouais, non. Dès qu'on part de la zone, c'est foutu. Nous sommes si près. Nous ne pouvons pas arrêter maintenant. Note de Girl of numéro 54. Je vous fais même des bruitages maintenant. Il doit y avoir un objet à déplacer, je suppose. Les cubes, là, je peux les porter ou pas? Ah, mais oui. No! Attends, mais je vais attendre qu'ils reviennent. Paf! Très grosse énigme. Quoi? Attends. Refais-moi ça. Ah oui, non, d'accord, fallait juste qu'il passe en dessous. Nice. Le golf en vrai c'est chiant. Bah le mini golf ça va, c'est cool. Genre à petite dose, tu vois, c'est sympa. Pas en abuser, mais c'est sympa quoi. On essaie de faire les trois à chaque fois. Putain, mais il y a des ralentissements des fois sur la capture. Fail. Merde. Ah ouais, ok, d'accord. En gros, il faut que... Ouais, c'est ça. D'accord. Paf. Non. Oui! Et du coup, c'est bon. Level 100 de blip blop, là, c'est long. Bah écoute, moi j'ai eu le level 100, et après j'ai vu que ça se réinitialisait. Et du coup, j'ai fait, bah en fait non, ça sert à rien. J'y ai passé déjà trop de temps. J'ai désinstallé le jeu. Je me suis dit, c'est un coup à tomber beaucoup trop addict, et c'est exactement ce que veut le jeu. Même si l'idée derrière le jeu est très très bien pensée. Ah ouais, non, non, heureusement que j'ai désinstallé ce truc. Perfect. Bonjour à ceux qui arrivent. Hein. On est en train de jouer un jeu de golf, hein, ça se voit pas. Ça s'appelle What the Golf sur Epic Game Store. Co-créateur Dame Dame Live. Ou Mister MV. Au choix. Ok. Ça et c'est bon. Pensez pour Super Brioche. Non mais Super Brioche, il l'a tellement roxorisé. Salut Grelam. Par contre, tu vois, hier j'ai, à force de spammer le truc là, on a bien rigolé, mais j'ai des douleurs au niveau de l'avant-bras aujourd'hui, c'est un truc de fou quoi. Purement musculaire. Ok. Oui, String Theory.
Siri. C'est toi le pro, ah ouais, tu fais combien? Merci beaucoup, Aigrelam. Merci pour tous ces jeux toujours fun et tes streams également. Bah, merci à toi pour ton année de sub. Merci beaucoup. Ah! D'accord. Non plus. Dans ce cas-là, ça va être ça. Ah mais attends, ils vont pas tous à la même vitesse. Si. Bah si, en fait. Je comprends pas le... Je pense que c'est... là. Oui. Ah, j'ai compris le pattern, j'ai compris. Touchez le drapeau. Oh non, mais arrêtez avec vos grappins là, j'ai l'impression de jouer à Worms. Quoi? Ok. Yes. Oh. J'ai l'impression de jouer la créature avec les tentacules, là. Comment il va s'appeler, ce jeu-là, de chez Devolver, Carrion? J'ai vraiment hâte qu'il sorte. Hein. Apparemment, je crois que c'est Atomium, justement, qui a testé la démo. Et il disait que le jeu était vraiment dérangeant, quoi. Pas facile, apparemment, aussi. Ah ouais, Carrion, ouais, j'ai hâte qu'il sorte. Ça a l'air très drôle, ouais. Ouais, mais c'est un peu ça, hein. C'est des espèces de grosses bestioles dégueulasses, tentaculaires. Et en fait, tu joues le méchant, en fait, c'est ça, quoi. Ah, il y en a qui ont testé parmi vous? Ah, ok. Ah ouais, non, j'ai pas eu l'occasion de tester. Qu'est-ce que j'essaie? Ça. Tigoulouboulouboum. Ok. What? Ok. Super feeling, tu vas tester aussi, ouais. Ok. Je pense que je vais prendre une petite pause. Pouf. Faudrait plus d'élan. Voilà, 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 voilà. Paf. Ah, c'était pour Halloween, d'accord. 15 minutes de démo, d'accord. Et si je faisais... Bah ouais, non, il faudrait faire ça. Ah ouais, ok, d'accord. Fallait juste que ça passe au-dessus. Merci pour le sub, Mochou. Mochou, merci pour le sub, Théo. Waouh, c'est bon, je l'ai, yes. Qu'est-ce que... Ok. Eh ben écoutez, on va faire une petite pause, je pense, maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? On va juste essayer de trouver la prochaine série de niveaux. Ok. donc
ça peut pas être ça. Quatre sur six. Ah oui, d'accord. Et bah du coup, ça va être ça. Eh bien, nous allons mettre en pause. C'est très très drôle toute cette histoire. Petite pause du coup, et on se retrouve juste après pour ce jeu. Alors je sais pas si on va le finir aujourd'hui. Si jamais on le finit pas, si ça devient un petit peu long ou qu'on arrive à le finir, peut-être qu'on essaiera du coup Watam tout à l'heure, qui a l'air très très drôle. Du coup, alors attends, par contre, il faudrait que je quitte. Parce que là du coup, il y a de la musique de fond. Non, ça va encore. Très bien. C'est la pause. À tout de suite. Got a man, call him my boyfriend, think I'm falling in love. The only man that gives me the things that I am worthy of. Hugs me and holds me, kisses me softly, calls me back right away. Communicates his feelings to me and cares what I have to say. He says, baby, I love you, baby, I need you, never gonna let you go. Writes me love notes, takes me shopping and to Broadway shows. Talk to him like he is a girlfriend, slumber party every night. Never been so happy before, he's almost Mr. Right. But I think he's hot and I think he's sweet and I think he's gay and I think he's neat. Okay, okay, say my boyfriend's gay, but what does it matter anyway? He hasn't come out of the closet yet, till then I'll take all I can get. 2, 3, 4. He doesn't think I know, but I know, I know, I've always known. He doesn't think it shows, but it shows for sure, it's always shown. You might think it's a little sad, but he's the best lover that I've ever had. Night when we're lying in bed, he's not hard, it's okay, cause he gives me head. Like my mom always said, it takes more than a pound to be good in bed. You don't know the meaning of rock your world till you've been with a guy who thinks like a girl. 5, 6, 7, 8. He lies and says that he's on meds, that's why he's never stiff. When I ask if he's not into me, he always says as if. But the way he makes up for shortcomings just could not be finer. Cause my new best friend is his tongue and his is my vagina. He reappears from under the covers looking like he's been to war. He's drenched in sweat, he catches his breath, then he heads back down for more. Afterwards he's never tired, he just wants to talk and cuddle me until I sleep, then he takes his dog for a walk. Someday he'll come out and I'll be happy for him when he does. But I know I'll be sad and I'll be thinking of what was. Someday this fairy tale will come to an end, cause his fairy tale will find a like-minded friend. But he doesn't think I know, but I know, I know, I've always known. He doesn't think it shows, but it shows for sure, it's always shown. You don't need no penetration when you got a good dose of overcompensation. Night when we're lying in bed, he's not hard, it's okay, cause he gives me head. Like my mom always said, it takes more than a pound to be good in bed. You don't know the meaning of slot machine till you've been with a king who thinks like a queen. I know it's not forever, but that's okay, cause I'm his girlfriend and he's my.
Quel enfer. Par celui-là. Pas du tout. Peut-être par celui-là. Pas du tout. Ok. Yes. Bon, ça devient relou cette histoire. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est le rouge. Ah! Ah! Ok. Ah oui! Usage unique, donc ça veut dire que je peux passer qu'une seule fois dans les trous. Un peu comme... pardon. Ok. Pas de blague de beauf, hein. Restons honnêtes. Avec nous-mêmes, avec nos convictions. Je pense qu'en fait, je peux taper plus fort. Un peu comme sur... Non, je vais pas faire ça. Je tape trop fort. Oh, come on. C'était ok pourtant, non? Bon, on va taper moins fort. Ah, mais ça passe pas. On sent la tentation. Laisse-toi envahir par le côté obscur de la beaufrie. Non, 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 mais ça sert à rien. Ça n'aurait pour but que de créer de l'interaction sur Twitter et ainsi de gratter des followers. Qui fait ce genre de technique de nos jours? Personne. C'est avant tout le contenu qualitatif qui prime sur Twitter, par exemple. Chacun le sait. Je comprends pas quoi faire, attends. Qu'est-ce qu'il faut faire, attends? Parce que le petit fait l'éjection. Donc ça peut pas être ça, c'est clair. Non plus. Putain, j'avais pas reconnu les notes de musique. C'est les mêmes notes que Still Alive. Sauf la fin. Mais genre, les 5-6 premières notes, c'est les mêmes. Ah, c'est ça. Ah ouais, le problème, c'est que si tu tombes dans un trou... This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. C'était quoi la phrase à la con, là? For the good of all of us, c'est ça, non? Non. For the good of all of us. Except the one who are dead, ouais, c'est ça. Come on! Qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends pas, attends. Attends, j'ai une idée diabolique. Mais pas du tout, c'était de la merde! Quoi? Ok. Mais! But that no sense crying over every mistake, ouais. We just keep on trying until it run out of cake. Non, c'est pas ça. Je me souviens qu'il y avait des bouts de phrases qui voulaient rien dire dans la chanson. Mais putain, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce niveau de merde? C'est encore plus incompréhensible sur que comment percer sur Twitter. Sachant que c'est des usages uniques. Trunks. Donc là, j'ai pas le choix.
Je suis obligée de passer. Ah! Thanks, my fucking god! Très bien. I did understand. Et le pire, c'est que ça servait même pas, hein. C'était que pour le 100% qu'on a fait ça. Ouais. Ça, on était allé. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, en fait? Ceux-là, on les a fait, hein, c'est good. Par là? Ah oui, d'accord, et là ça a validé la zone ou pas? Mais j'ai l'impression que ça l'a même pas validé. Mais quel enfer! Tout au bout, il en manquait deux avec la porte, mais je les ai même pas vus. Tout au bout. Le problème, c'est que je m'y perds moi avec ces portails là. Mais du coup, il faut aller où? Faut se refaire le ventilo, c'est ça? Ah, ça a déjà été fait. Et ça... Ah, il y a mon chat qui pleure. Vous l'avez entendu ou pas? Ah, ici, ok. Qu'est-ce qu'il a à miauler comme ça? Si je le fais rentrer, il va semer la zizanie. Faudrait juste que... Attends, on va le refaire. Oui. Frouti. Et non pas frotti qui n'a rien à voir, hein, bien sûr. Alors. En deux coups seulement. Ok, pourquoi pas. Paf. Perfect fruit. Nice. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Quoi? Ok, utiliser la pomme pour que le téléporteur tombe dans le trou. Lequel va aspirer? Quel enfer! Presque! Oui! Merci beaucoup. Bam, 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 bam. Préfère du style live ou want you gone? Le thème du 2. Non, je pense que Still Alive reste vraiment emblématique. En plus, il y avait eu énormément de remix. Putain, j'ai une anecdote qui vient de me rappeler, là. En fait, un jour, c'était dans le métro parisien. Non mais c'est en parlant de Portal. En fait un jour dans le métro parisien, j'étais dans je sais plus quelle ligne, la 1 peut-être, une ligne classique. Et le métro était pas mal bondé, tu vois, genre pas mal quoi. Et là j'entends un fond musical. Qu'est-ce que c'était? C'était Still Alive, mais genre une version de Still Alive, genre techno-dance années 90 survoltée et tout. Mais
le thème de Still Alive était ultra reconnaissable parce que t'avais la voix, je sais pas quelle chanteuse avait repris ça, mais c'était vraiment style Scooter, vous voyez. Scooter, la Move Your Ass, là, tu vois. C'était ça ou E-Type. Mais en reprise de Still Alive. C'était très drôle. Et mais en fait, sauf que ça faisait chier tout le wagon, parce qu'en fait, le mec, il avait le son plein pot dans ses écouteurs, quoi. Mais genre, tellement plein pot, je sais même pas comment il faisait pour tenir, puisque tout le wagon l'entendait. Mais tout le wagon se retournait, genre, un peu gêné et tout, quoi. Et en fait, à un moment, il y a un truc qui me traverse la tête. Je me suis dit... Parce qu'en fait, je voyais cette personne. Je voyais le mec qui était posé pas loin de moi, tu vois. Et je me suis dit... C'était à l'époque où je travaillais sur la chaîne No Life. Je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais je suis sûr que c'est quelqu'un qui me connaît. Et le mec, arrivé à sa station, qu'est-ce qu'il fait? Il se barre. Et en fait, alors qu'il m'avait pas... Enfin, je pensais qu'il m'avait pas regardé ou pas vu, en fait. Genre, il arrive devant moi, il enlève ses écouteurs, et il me fait « Ouais, je suis trop fan de toi !» et tout. Et il se barre. Du coup, t'as tout le wagon de la ligne 1, je crois, qui s'est retourné vers moi, en mode « Ah ouais, bah putain, si c'est ton pote, t'aurais pu lui dire d'arrêter, tu vois ?» Et c'était extrêmement gênant, et je me souviens être descendu à la station d'après, alors que c'était pas ma station, parce qu'en fait, tout le monde me matait, et c'était insupportable à souhait, quoi. C'est vraiment la gênance absolue, quoi. Et le mec, il faisait chier tout le monde avec sa putain de musique. Et juste en partant, « Ah, je suis trop fan de toi !» En plus, le mec, il a rien dit de plus, quoi. Il a pas demandé une selfie ou un autographe ou quoi, non, non. C'est genre le mec qui traçait sa route, quoi. Mais juste avant, le mec, il enlève son et il me sort ça, quoi. J'ai « Ah, putain, quoi !» M'incluez pas dans vos trucs, là, bizarre, je sais pas quoi, là. Ah, putain. Et du coup, maintenant, à chaque fois que j'entends Still Alive, j'ai ce thème culte, bien sûr, du premier Portal en tête, mais j'ai aussi cette anecdote, toujours quelque part dans le coin, où je me dis, putain, mais il y avait vraiment des gens chelous, quoi. Accès refusé. Ah ouais, mais j'ai pas récupéré mon truc. Ok, d'accord. Ah ouais. Oh non! C'est du Human Fall Flat? Non. Non, c'est plutôt du Gang Beast. Ah non, c'est façon super hot. Ok, 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 ok. Ok, ok, oui, non, d'accord. Référence à super hot. J'ai cru que c'était une référence à Human Fall Flat, j'ai eu peur. Ah ouais, non, mais vous avez raison. Très bon, très bon. La phobie d'Human Fall Flat, ah, mais putain, plus jamais! Je sais pas ce que je préférerais. Je préférerais qu'on tape la honte dans le métro comme ça? Ou est-ce que je préférerais jouer à Human Fall Flat? Je crois même que je préférerais jouer à Human Fall Flat. C'était tellement gênant, quoi. Non, mais tu vois, c'est toujours bizarre, les gens. Faut y aller, là. Hein. C'est toujours bizarre, les gens qui sont dans un délire, qui sont persuadés que t'es dedans, alors que pas du tout, tu vois. C'est comme les gens, tu sais, qui viennent me voir et qui me parlent le truc hyper indiscret et tout, pensant que c'est trop ma vie, je suis trop dedans et tout, alors que dalle, quoi. Ou alors les gens qui pensent que je suis anarchiste parce que j'écoute du punk rock. Tu sais que c'est un truc qu'on me sort souvent, ça. C'est vraiment... Et tu sais, c'est gênant, parce que toi, t'es là, t'es... Bah ouais, non, pas vraiment, quoi. Enfin, je sais pas. Oh, tu sais, je suis plutôt apolitique. Alors là... Ah, les anarchistes qui le sont vraiment, quand tu leur dis que t'es pas très branché politique, eux ils sont révoltés, quoi. Ok. Tu
Du coup, t'aimerais avoir quoi comme fanboy? Pas des fanboys qui viennent me voir dans la vraie vie, en fait. Tout simplement. Parce que pour moi, tout ce qui est pas sur Internet, c'est la vraie vie. Donc, il y a des gens qui sont, par exemple, sportifs professionnels ou chanteurs ou des trucs comme ça, qui se produisent en public. Moi, je me produis pas en public, tu vois. Moi, je me produis sur Twitch à 99%. Un tout petit peu sur YouTube aussi et les réseaux sociaux. Et puis, c'est tout, quoi, en fait. Donc... Mais récemment, j'étais dans un centre commercial à Montpellier avec ma copine. Et il y a un mec, je sais pas, un bon 35, peut-être 40, je sais pas, qui vient me voir et tout avec sa femme et son fils. Et tu vois, ils étaient tous super respectueux, typiquement. Ils sont juste venus me voir en disant « Ah tiens, c'est dame, ah, c'est cool ce que tu fais, machin. » On a discuté une minute et puis allez, salut, on se serre la main et puis voilà quoi. Bah voilà, ça c'est cool. C'est cool. Paf. Qu'est-ce que... Pacifiste ? Attends, je comprends pas. C'est quoi la consigne ? Faut juste toucher personne, en fait, c'est ça ? Mais je comprends pas parce qu'il y a ces flingues qu'on a la possibilité de prendre, mais je vois pas à quoi ça sert. Ah bah si, c'est bon. All right. Paf. Les fers en bien. Nose ! Tout le monde est mort. Tout le monde est mort, même moi. Ah oui, c'est ça, lui, il a un fusil à pompe. Que je récupère. Ah, c'est stylé, ça, quand même. Ah, comment j'ai esquivé ! Wouah ! C'est stylé ça, hein. Très très stylé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah putain, c'est un sniper, un truc comme ça? Ah ouais, ok. Ok. Et là, normalement, c'est good. Merci beaucoup, Mister XXL. Ah ouais, là, ils sont tous en train d'éclater. Ah, c'était stylé! Merci beaucoup, j'avais oublié de me réabonner, mais à coup pas, mais pas de soucis, merci pour tes 9 mois de sub. Merci beaucoup pour le soutien. Ah ouais, c'était très 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 stylé ça. Scoped,
You've been scoped. Merci au passage à Aramil pour le follow, ainsi que Naviok, Andromedus et El Stark. Merci à vous. Je vois que Damdam a arrêté Mosaïque. Pourquoi tu dis ça? Bah, on a fini le jeu en même temps. Le jeu durait 3 heures, même pas, donc. Après, ah ouais, faire un New Game Plus, tu veux dire? Après, c'est un super jeu. Ah. Ok. Ouf. Easy PC. Easy PC. Bam. Parfait. Ok. Je pense qu'il vaut mieux... Ah ouais, d'accord, fallait passer derrière. Ça. Ah! En fait, faut temporiser un peu, je pense. Ah ouais, ouais, là, c'est très, très, très lumineux. Ouais. Bam, bam. Non, non, je suis streameuse à temps plein. C'est mon métier. J'en ai pas l'air, hein, mais. It's my day job. That. Puis alors, ça m'éclate les yeux. Là, le tout est trop blanc. Laissez-moi mettre des lunettes de soleil adéquates. Ah, voilà, grâce à mes lunettes à lumière bleue de chez Connard, eh bien, je me sens tout de suite beaucoup mieux. Je crois pas qu'il y ait un casting exclusif aux streamers. J'adore la diversité. C'est ce que j'aime en outre du live. Quoi? Mais de quoi tu parles? Ta question c'était juste si Twitch était mon métier dans la vie ou si je faisais un truc à côté? Lui on va lui tirer dessus. Bon, on va faire comme ça hein. Il n'y a pas de mauvaise situation, bien sûr. Jamais. Ils sont chauds, ces niveaux-là. C'est super hot en version golf, ouais. Bah ouais, ouais, c'est exactement ça, ouais.
Non, je passe pas à côté, là, quand même. Vous êtes sérieux? Je suis passé à côté? Ah ouais, mais du coup, j'avais pas d'armes. Waouh. Waouh. Oh, waouh. Ah, le jeu est beaucoup plus digeste une fois que t'as des lunettes de soleil. C'est good. Putain, il était chaud à ce niveau. Super pute. Ou quelque chose d'équivalence. Oh, 6 coups, mais c'est beaucoup trop dur. Alors ça, c'était chaud. Ça, c'était chaud. Ah ouais, d'accord. En temps réel, alors, ça va être super dur, ça. Ah, le problème, c'est que dès qu'on a l'arme... Où est mon curseur? Ah oui, ici. Ah oui, forcément. Ouais, non, mais ça, c'est trop dur, ça va me saouler. Ça, c'est pas un truc à faire en stream, ça. Ah, évidemment, je me suis trompée de touche à chaque fois. Ok. Paf. Oh non, mais arrêtez avec ça. L'intérêt de Super Hot Fire, c'est justement que... Ah mais non, mais... Super... C'est Super Hot tout court. Super Hot Fire, c'est le nom du mec qui fait une grosse vanne. Et puis au moment où ça devient très drôle, il y a tout le monde qui fait... C'est lui, Super Hot Fire. Je confonds Super Hot et Super Hot Fire. Je vais mourir, c'est bon. Super Hot Fire. Tu la connaissais sous le nom de Popopo? Bah non, non, en fait... Le nom de scène du gamin là qui rappe... Enfin, qui fait ses punchlines de ouf là, il s'appelle Super Hot Fire. Ça a failli être très très chiant. Sans Antoine Daniel juste avant, ça a pas... Ah ouais. Oui oui, d'accord, ouais, tu parles du même. En deux coups et sinon arrêtez de déconner. Ah non, mais c'est la chaise roulante, ok. 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 Très bien.
Très bien. Bah écoutez, tout plaisir était pour moi. I do not retract anything. Ouais, mais là, ça va être en temps réel. Ah non, non, mais temps réel, ça c'est bullshit. L'intérêt de Super Hot, c'est justement qu'on puisse ralentir le temps. Non, non, ça je les boycotte, les temps réels. C'est ma conviction politique. Ça, c'est parce que j'écoute du punk rock. Paf. Ok. Ok. Bam 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 bam. Spyro, t'es très bien, ouais. Ouais. Ah non, en VR, tu veux dire, ouais. Ah oui, en VR, ça doit être fun, ouais. Par contre... Ouais, c'est ça, c'est un peu cher, quoi. Ah, les lois de la physique, hein. Ok. Nice, ok. C'était du pif, hein. Putain, mais il en finit pas, ce jeu, en fait. Bam, 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 bam. Ah d'accord, il s'arrête au moment où... Ah, intéressant, intéressant. Ok. Oculus, c'est que pour 450. C'est quoi les trucs VR les plus pratiques sans avoir 1000 capteurs autour et qui coûte pas trop cher. Je crois que c'est Mademoiselle Choco qui s'y connaît pas mal là-dedans. Paf! Oculus Quest. C'est quoi, c'est un modèle d'Oculus Rift, c'est ça? Pouf! Un carton prédécoupé dans lequel tu mets. Eh oui, forcément. Forcément. Ah, c'est bon, on n'est plus dans Super Hot, je peux enlever mes lunettes. Bam, 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 bam. C'est un nouveau modèle d'Oculus. Et ça coûte combien ça, du coup? Vérité est comme un trou qui happe les gens et les balles. Yes. Aucun sous-entendu, ça va de soi. 450, Valve Index, c'est 1100 euros. Mais il est top. Mais c'est quoi, c'est genre la résolution qui est meilleure ou c'est à... Qu'est-ce que... Putain... Mais comment ils ont eu toutes ces idées? C'est pas possible. Toucher le drapeau. Ouais. Ah, le drapeau est pas autre chose, c'est ça? Bam bam. Ah
Ah ouais, il faut juste toucher le bout du drapeau, en fait. Ah oh, come on. Bam, bam, bam. Pouf. Merci. Enfin ouais, il fallait juste toucher le truc blanc. Bon, on arrête, on se fait autre chose. Quelle heure il est? 16h52. Ah, mais c'est bien, j'ai commencé tôt. Parce que là, bon, ça commence à être un petit peu redondant. Même si les idées se... Les idées se renouvellent, je dois quand même l'avouer. C'est étonnant, hein, quand même, à quel point le jeu est long, quoi. Ce concept de minimap et tout, c'est tellement bien trouvé. Et ça, c'est quoi? Un psycholf it knows. D'accord. Je sais pas si c'est une bouteille de vin ou quoi, mais... Nose. C'est bon. Ah oui, mais alors à 17h, il y a le jeu gratuit du jour sur Epic Game Store. On va regarder ensemble ce que c'est. Ah. A plus la gourlame, ouais. Merci à toi. Oh! J'aurais tellement dû le faire. Ah. Je pense que ça va avoir raison de ma patience. Bon, allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Enfin, on s'arrête là pour ce jeu, en tout cas. Bon, enfin, c'était très drôle quand même, cette histoire. Je pense que... Alors, est-ce qu'il y a un mode coop? C'est ça, la vraie question. Est-ce qu'il y a un mode deux joueurs? Décembre spécial. Montrer à un ami. C'est ça? Je sais pas. Ensuite, il y avait quoi? Putain, on a fait que 39% du jeu, c'est ouf. Défi quotidien. Succès, paramètres, Discord. Waouh, ils sont tellement fiers de Discord. Mission impossible. Aux personnes saines d'esprit. Ok. On teste. Ça va, c'est pas si dur. Ah, ça va. Oh!
suis tombé juste avant la fin. Est-ce qu'il y a un mode éditeur? C'est ça la vraie question. Ah, c'était donc ça, Trackmania 3. Yes. Ouais, en fait, il faut utiliser le léger bullet time. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est facile en fait. Parce qu'en fait, on peut déraper en utilisant le bullet time. Eh, je suis pas si mal, hein. Ok. Ça, c'est drôle. Paf. Oh shit shit. À tous les coups, il y a un shortcut au-dessus de la tente. J'en suis persuadée. Et heureusement qu'il y avait du bordel. Mais come on. Voilà, c'était What the Golf. N'hésitez pas à l'acheter et à faire mieux que moi. Bon, c'était très drôle, hein. Très très drôle cette histoire. J'ai bien aimé. Bon, repas de Noël à ceux dont... Ah, un TP entre les deux tentes. Ah ouais, ça aurait été possible, ouais. Je sais pas. Alors du coup, un autre jeu que je voulais tester, donc il y avait...